Le ciné-concert Titanic est une nouvelle création de l'Orchestre Régional de Basse-Normandie à destination des lycéens bas-normands. Au cours des mois de janvier et février 2015, 4 ciné-concerts furent présentés devant lycéens et professeurs dans les lycées Jules Verne à Mondeville, Jean Monnet à Mortagne-au-Perche, Julliot de la Morandière à Granville et au lycée Napoléon à L'Aigle. La dimension de ce projet artistique a été valorisée par la participation des lycées dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle. Les élèves du lycée Jules Verne de la filière CAP Métallurgie ont ainsi réalisé pour l'occasion une maquette du célèbre navire. Cette maquette, issue d'un projet pédagogique d'envergure, a été présentée dans tous les lieux où s'est produit le spectacle. À Mortagne-au-Perche, pas moins de 450 personnes, dont des élèves de l'école primaire, des lycéens et des résidents de l'EHPAD, ont pu assister à ce concert. Une des classes de la filière gestion-administration du lycée Jean Monnet s'est occupée de la communication et de la promotion de l'événement. Les élèves en seconde art visuel ont réalisé un montage vidéo autour du thème de la catastrophe et de la peur. Au lycée Julliot de la Morandière de Granville, les élèves de la filière Bac Pro Maintenance Nautique ont guidé les musiciens à travers leurs ateliers. Un programme réalisé par les terminales bateaux a été distribué lors de la représentation. Au lycée Napoléon à L'Aigle, les élèves en sculpture sur bois, ébénisterie, marqueterie ont eux aussi guidé les musiciens dans leurs ateliers. À la fin du ciné-concert, les élèves de première L ont présenté un diaporama d'images et de textes sur la peur et le drame. Ainsi, près de 1000 lycéens ont découvert un spectacle alliant musique et cinéma muet. Les différents projets pédagogiques réalisés ont permis de valoriser le travail des élèves et professeurs, mettant en lumière leur savoir-faire au service d'un événement culturel unique.